Il y a les potentiels nouvelles boutiques du 15 juillet 2022. Alors, section d'origine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, déjà, on a un sac à dos avec des trucs holographiques. Bon, ça, on en a des milliards de sacs à dos holographiques. Et donc, c'est des trucs du chapitre 1, apparemment. Ah, c'est pas chaque saison? Je crois que c'est chaque saison, non? Je sais pas. Ouais, si, ça doit être ça. Ok, donc chaque truc, je crois, c'est pour une saison, une nouvelle saison. Bref, on s'en fiche. Ensuite, on a. C'est quoi ça? Genre en mode, c'est un style pour chaque saison aussi. Ouais, mais vraiment vite fait, quoi. Lui, on reconnaît très bien la saison 9. Mais genre, ça, par exemple, à part que c'est une banane. Là, c'est le roi des glaces. Là, c'est le cube. Là, c'est le nomade. Là, c'est le visiteur. Mais là, par exemple, saison 3, on reconnaît rien du tout. C'est juste tout noir. Pareil pour là. Et là, pareil. Donc, il y en a, ils ont pas fait trop d'efforts, mais bon. Bon, on va pas regarder tous les styles, mais du coup, voilà, il y a les meufs, les mecs. En vrai, c'est original, mais ils auraient pu mieux faire. Ensuite, on a des petits skins de basket. Ok, avec la danse. On a ensuite des petits skins comme ça, à la une, assez stylé. Ok. Ensuite, boutique quotidienne. On a deux skins d'une tryhard très stylée. Avec des petites danses, des petits outils de collecte. Ok. Et en bas, on connaît. Du coup, c'est tout pour cette boutique. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour ce code créateur. Une suite dans la boutique Fortnite. Allez, ciao!